1, 2, 3, 4. Ça, là, 4 mètres, là, c'est l'espace minimum de circulation pour le nombre de piétons qu'on a. On est à 60 000 piétons par jour sur la rue Sainte-Catherine. Tu ne peux pas réduire en bas de 4 mètres. Alors là, tu ne peux plus rien faire d'autre. Pas de terrasse, pas de verdissement, pas de banc public. Alors, 7 mètres, c'est critique. Dans la proposition de la ville, eux proposent à certains endroits, là, on entre ici, puis le lobby qui est juste là, là, on le voit sur le coin, là, ils iraient avec à peu près 6,40 m de trottoir. Mais le reste de la rue sera à 5 mètres. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire un bandeau de commerce sans rien d'autre. Alors, première chose, des trottoirs de 7 mètres. Deuxièmement, ce qu'on met dans la rue, nous, on préférait la piétonnisation, mais si on est dans une situation où c'est absolument impossible de le faire, mais si ça veut, ça passe pas, on fait une petite rue, 6 mètres, pas d'arrêt, par exemple. Pas d'arrêt, pas de stationnement. Les stationnements sur les rues à côté, sur des stationnements souterrains ou des stationnements hors terre, on propose pas de couper de stationnement au centre-ville. Ça, sur quoi on n'est pas négociable, c'est le 7 mètres de trottoir. Parce que je vais vous montrer des centaines de photos de toutes les villes du monde qui démontrent c'est quoi la vie quand tu mets des terrasses, la vie quand tu occupes l'espace public. On serait bien les seuls à pas vouloir faire ça.